Il retourne sur ses pas, il s'engage dans le passage entre les tours et le mur, le passage qui longe la quatre voies ferrée jusqu'à la quatre voies routière. Il précise que le passage appartient maintenant au réseau ferré de France, appartient à l'État, appartient à la Société nationale des chemins de fer, appartient aux 180 millions de déficits publics à prévoir chaque année sur la LGV, appartient à l'ISEA, appartient à Vinci, appartient aux 80 secondes, appartient aux kilomètres plus courts, appartient au temps c'est de l'argent, appartient aux très très riches, 160 millions d'euros la minute, 10 000 euros le passage, et tant pis pour ta. Il ne dit pas réseau ferré de France, il dit riverain, forcé, foutu. Il dit raison, fric, flouze. Je l'interromps. Acronyme. C'est un acronyme. Il dit, on appelle ça un sigle, et je ne vois pas pourquoi il faudrait employer des mots compliqués quand certains sont simples. Et si ce que je dis vous ennuie, on peut aussi arrêter là. Je dis, ne vous fâchez pas, ne vous plaignez pas, je ne vous parle pas non plus de tautogrammes permutants, de palindromes lipogrammatiques, de... Je dis, ne vous fâchez pas, reprenez votre fil. Il dit que le passage au niveau des voies routières est régulièrement encombré de caddies, encombré de valises, encombré de vêtements, encombré de chaussures, encombré d'objets cassés, d'objets usés, encombré de pannes, encombré d'obsolescences programmées, encombré de tout ce dont les gens ne veulent plus, encombré de choses à récupérer que personne jamais ne récupère. Il dit une vraie décharge, et qu'au début il s'en occupait, qu'il n'est pas comme le train, qu'il n'est pas à 5 minutes près, à 80 secondes près, à 1 km près, qu'il n'est pas, mais qu'il y a tout de même des limites à la résidence, des limites au temps, des limites au travail, et que, après tout, si le passage est la propriété de RFF, c'est que la décharge l'est aussi. Il reprend sa respiration, reprend le fil de l'air. Il précise qu'avant le dédoublement de la voie ferrée, c'était la rue Gabriel-Besse. Je pense Front Populaire, je pense congé payé, je pense régime des retraites, je pense réduction du temps de travail, 80 secondes. Il dit qu'elle n'a pas été débaptisée. Il cherche le mot débaptisée. Il dit qu'elle s'appelle toujours comme ça, qu'il y avait des arbres avant, que les travaux ont duré 5 ans, qu'il y avait des arbres avant, que les voitures se garaient là, que les voitures n'étaient pas dans la résidence, que les travaux ont duré 5 ans, que le pire c'était les trous, c'était le marteau piqueur, c'était les vibrations continues, c'était le vacarme continu. 5 ans, c'était un vrai tremblement de terre. Il montre plus loin les affaissements de terrain au bas de la troisième tour. Il compte de tête, il calcule d'après la plaque, il se trompe, il rectifie. Il dit 47 ans, je pense 80 secondes. Il ajoute que les affaissements sont au niveau du terrain, pas des fondations. Il ajoute qu'il nous rassure. Il dit, je vous rassure. Je dis non. Il change de sujet. Il ne change pas de sujet. Il ne parle pas du mur, il parle des dégradations avant, des dégradations partout. Il parle des voitures forcées, il parle des voitures brûlées, voitures volées, halls souillés, vitres cassées. Il dit, la résidence est tranquille maintenant. Il ne parle pas du mur. Il montre la tranquillité, montre le jardin. Il dit qu'avant c'était de la terre, c'était de la poussière. Il dit magnifique, il répète magnifique. Je pense au cheval, je pense à la fille. Il montre l'olivier. Je lui dis c'est un olivier. Il cherche, il dit c'est l'arbre 2.
Il cherche, il ne trouve pas. Il dit que l'olivier était tout petit. Il change de sujet, il ne change pas de sujet. Il montre un olivier rose. Il ne dit pas le nom, il n'identifie pas la plante. Il dit que cela lui rappelle la Martinique. Je pense qu'il va me dire que la Martinique aussi est tranquille maintenant. Je dis, c'est un laurier. Il dit, ah, je précise, un laurier rose. Il montre le laurier, il montre la Martinique, il ne montre pas l'arbre mort, il ne le voit pas. Il dit, j'avais bien vu qu'il était rose.